chanson sur son dernier album qui s'appelle Solide, qui est assez peu connu, que je trouve magnifique. Ça aurait pu être le titre de son livre. Ça s'appelle Je pardonnerai. Après le bruit et la fureur, entre les chiens et les loups. 85 millions d'albums vendus et 50 ans de carrière. Le temps est venu pour Sheila de mettre les points sur les i dans son autobiographie intitulée Danse avec ta vie, édition de l'Archipel. Elle a décidé de tout raconter pour la première fois, tout raconter de sa vie, les moments évidemment heureux, mais les moments également plus difficiles, les coups durs. Alors, avant de l'accueillir, forcément, il fallait que nous chantions ensemble, enfin nous. Sheila, nous on va chanter comme ça, on va fredonner. Si je vous dis l'école est finie, si je vous dis le folklore américain, si je vous dis les rois mages, on adore. Regardez, très joli document des années 70, regardez. Et voilà, nous accueillons Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour. Ouais, et vous? Ah ben moi je vais très bien, tout le monde chante les rois mages, c'est bien. Alors, j'avais de bonne humeur déjà. Je crois que la plus belle récompense pour un artiste, c'est quand on connaît par cœur son répertoire. Oui, j'ai la chance de faire partie de cela. Alors, cette autobiographie s'intitule « Danse avec ta vie », édition de l'Archipel. Alors évidemment, je l'ai lu de bout en bout. Et je résumerai en disant, Sheila, qu'on sent que vous êtes quelqu'un d'optimiste, vous allez de l'avant, vous êtes vraiment une fonceuse. Mais qu'au bout d'un moment, il fallait un petit peu s'alléger de quelques fardeaux pour repartir du bon pied, métaphore de la danse. Alors déjà, l'histoire de ce livre est arrivée avec une émission de télé qui s'appelle « Danse avec les stars » et avec une relation que j'ai eue avec Julien Brugel, mon partenaire. C'est vrai qu'à force de danser avec lui, ben, ça m'a remonté plein de trucs. J'étais obligée de casser le côté Sheila solide et tout pour arriver à le suivre. Et de fendre l'armure, vous dites que vous avez un côté un peu, vous gardez un peu pour vous, vous ne montrez pas, vous ne vous exprimez pas. Oui, parce que j'ai grandi comme ça, j'ai été élevée comme ça par mes parents. Mmh. Et puis l'école que j'ai eue de ce métier dans mes débuts, c'était, ben voilà, tu marches. Et puis vous savez, le côté travail bien fait, j'avais tellement peur de faire une bêtise que je disais jamais rien, quoi. Plutôt docile, on dira, avec le recul. C'est ce qu'on dit, hein, trop bon. Trop bon. Mais je le dis. Mais moi, j'assume. Donc voilà. Et c'est vrai que d'un seul coup, en arrêtant cette émission de télé et la danse avec Julien, je me suis retrouvée un peu seule avec plein de choses que j'avais enfouies à l'intérieur de moi qui ont commencé à remonter. Et je me suis dit, bon, je crois que le moment est venu de raconter mon histoire. Parce qu'en réalité. Votre vérité. Oui, parce qu'en réalité, si vous voulez, les gens me connaissent à travers des titres ronflants, à travers un scandale, à travers quelque chose qui correspond peut-être pas à ce que je suis. Et je trouve que, vous savez, moi j'ai un âge, je ne fais pas mon âge. Absolument. Mais je trouve qu'il y a un moment, si demain il m'arrivait quelque chose, parce qu'on voit quand même beaucoup de gens qui partent, et c'était important pour moi, pour mon bien-être, et je pense vis-à-vis, par respect aux gens qui me suivent depuis toujours, depuis 50 ans, de leur dire vraiment quelle était mon histoire. Ouais. Alors, vous venez de parler de vos parents, très jolie page, beaucoup d'émotions, André et Micheline, vos parents, donc français moyens, comme des millions de Français. Des commerçants qui se levaient très tôt le matin pour aller faire les marchés. Ça a été mon école. Pendant quelques années, vous avez été sur ces marchés, donc vous avez vu ce que c'est, évidemment, travailler dur, bien sûr, parce que c'est une difficile école, celle mais quelle belle école. Pour moi, ça a été une école extraordinaire où j'ai... déjà j'ai appris le contact avec les gens parce que faire manger des brioches à quelqu'un qu'on n'a pas envie, croyez-moi, il faut du bagou. Ça part mal. Non mais c'est vrai, mais il faut avoir du bagou, il faut les décider.
Et puis voilà, c'est une grande famille, les marchés, où les gens sont les uns à côté des autres et, ouais. et ils s'aident mutuellement. Et donc évidemment, vos parents, on va en parler après, un document qu'on va vous montrer, ne connaissaient rien au show business. Ils ont signé une autorisation, puisque vous étiez mineur à l'époque, pour non, pouvoir... Non, un contrat, pas une un autorisation, contrat, oui. un contrat. Ouais. Contrat, parce que vous ne pouvez pas, vous, en votre nom, le signer, ouais, ce contrat, oui. vous étiez trop jeune. Bah, la majorité était 21 ans. 21, c'est ça. Regardez, on a retrouvé un document très émouvant. Vos parents s'expriment devant la caméra au moment où vous leur avez offert, entre guillemets, la gestion de la boutique de Sheila, c'est-à-dire qui gérait une boutique, on pouvait trouver plein d'accessoires, des robes. Ouais, ouais. Regardez, c'est beaucoup de douceur et de gentillesse transparaissent chez vos parents. Regardez. Un travail assez dur, c'était la confiserie, mais j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus. Vous savez, c'est un travail de marché, nous travaillons dehors tout le temps, été comme hiver. Alors, là, il y a 2 ans, il a fait un hiver avec moins 15, moins 17. Alors, vous savez, c'était un travail assez difficile, à la pluie, au vent, et tout. Est-ce que Sheila a participé à ces activités? Elle a travaillé avec vous sur les marchés pendant le temps? Pendant environ un an. Ça a d'ailleurs été une leçon assez dure pour elle, parce que c'était très, 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 très dur. Et est-ce que l'intrusion dans votre vie, au fond, de l'impresario, qui est un personnage important désormais, a modifié quelque chose? Finalement, vous vivez maintenant avec M. Carrère. Quoi? Ben non, ça devient un ami, c'est tout. Est-ce que vous l'avez choisi ou bien est-ce que c'est un concours de circonstances qui a fait de M. Carrère? Non, c'est un concours de circonstances, je crois. Ça devait arriver, c'est tout. Et si vous l'aviez trouvé très antipathique, qu'est-ce qui serait passé? Là, ça aurait été fâcheux. Hein. J'aurais rien dit, mais ça... non, vous voyez, tout s'est bien passé.